C'est la meilleure des télé. Soup TV. La parole vous est donnée. Soup TV. Les portes sont pas verrouillées. Soup TV. Revenez quand vous voulez, oui. Soup TV. Avec elle vous voyagez, ah bon. Soup TV. Visitez le monde entier, waouh. Soup TV. C'est son métier. Soup TV. Toujours très félicité. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de mots, quatre paroles en ce samedi après-midi. Il fait bien meilleur qu'hier, il y a du soleil. Bonjour à la Guadeloupe et toutes les belles îles de la Guadeloupe. Bonjour à la Guyane, bonjour aussi à la Martinique. Ainsi qu'à ceux qui nous regardent depuis Paris, depuis la Belgique ou le Luxembourg. Bonjour à ceux qui sont du côté des trois frontières sous le foie. Bonjour à ceux qui sont du côté de Saint-Denis sous le foie, n'est-ce pas Yannick? Bonjour à Michelet du côté de quelque part aux alentours de Paris. Donc la Martinique vous attend. Revenez dans votre pays rapidement. Allez, Chelbert, ça que passe mon cher? En forme, Mano. En forme? Mais oui, en forme. On va frapper du. Quand ouais, moi, en forme. Oui, moi, ouais, en forme. Mais quand on a fini de jouer, tu vas jouer avec Pomme Cannelle? Non, je te demande. Non, mon camado, parce que. J'ai si peu que du ouais, c'est gardé télé, je veux dire. Ouais. Non, mais non, c'est pas marqué Pomme Cannelle. Ah, bon, d'accord. Mais non, c'est pas marqué Pomme Cannelle. Non, c'est pas marqué Pomme Cannelle. Oui. Non, mais c'est joli comme les tenues de Pomme Cannelle. C'est pour ça que je me suis permis cette allusion. De toute façon, ça se dit entre nous. Je ne pense mais pas si, qu'il est. Personne n'a pas écouté télé, il n'y a pas de problème. Oui, surtout Jesse, il n'a pas regardé télé parce qu'il est toujours dans la répétition. Ah ouais, ça. Ah ouais. Il regarde. Eh bien, Marvin est entré à l'heure, au fait? Ben, je ne sais pas. Non? Je ne sais pas. À la maison? Je sais pas. Donc, Atchum, on lui dit pas d'entrer à l'heure. Atchum, il a dit ou pas qu'à sortir. Donc, on sait, il est toujours en cas là. Oui, au lieu, on peut remplacer à l'heure, là, on peut pas sortir. Voilà, comme ça, pas ni problème encore. Oui, de toute façon, peut-être il attend toujours minuit. Comme attends, normalement, c'est à minuit. Minuit, c'était l'heure fatidique. Hein. Fallait qu'il soit entré avant minuit. Avant minuit, ouais. Dernière limite, c'est pas sortir à minuit, non, c'est pas ça. Au moins 23h59. Ben oui, il a initié le confinement. C'est lui qui a donné l'idée au préfet de la Martinique, ben, nos confinements, hein. Enfin, bon, bref. En tout cas, on nous parle de musique. Je ne dis pas plus parce que, comme tu sais déjà, je joue de la Pomme Cannelle. Je ne veux pas quand même avoir un souci avec eux parce que. Bon, bonsoir à tout le monde sur le plateau. Ben, le plateau salut, Gilbert. Est beau, bonsoir. Comme d'habitude. Et puis, salutations. Et Mano, et il y a Lulu qui m'a dit de qui t'a salué. Il se prénomme Lulu, tu le connais. C'est pas Lulu, c'est Lulu et masculin. Hein? C'est ah, vous faites moins peur. Moi, comment c'était madame ou? Enfin, excuse-moi, c'est Lulu masculin. Lulu masculin, oui, okay, tu le connais. Mais, ça te dit quelque chose. Mais Lulu. Si Michel connaît Lulu aussi, c'est hier soir, nos boys bémisés. Non, oui. C'est pas. Mais ah, oui, Lulu, oui. C'est ça, oui. Oui, c'est Lulu. Lulu, ok, oui, mais tu vas puis, le saluer pour moi. Oui, et puis Mariana et Pipo. Donc, ce sont des fans de Zouk TV, inconditionnels. Mariana. Et Mariana et Pipo. Et puis, sans oublier Rebecca. Et elle est de Basse Pointe, non? Non, du Robert. Du Robert? Oui, Mariana et Pipo. D'accord. Oui. Et la personne en question de Basse Pointe, pas non, mais non, mon nom. Il n'y a pas de pièce message au-delà. Ah, c'était Marigo. Marigo? Sonia, là, mais il y a pas de Douk aussi. Hein? Pas non, mais non, personne, monsieur Chelbert. Tu me permets, et je te demande. Non, mais non. La fille du Marigo, c'est une fan de Zouk TV, et puis c'est une fan à Joël, c'est une fan à tout le monde, à moi, à Marius, et tout ça. Non, mais est-ce que tu as un message à transmettre? C'est simplement ça, à un moment donné. Hein? Est-ce qu'il voulait bonjour? Non. Non, d'accord. Message particulier, je ne pense pas, non. D'accord, elle très est pas bien. Comme ça. D'accord. Merci, Chelbert. Oui. Merci beaucoup. Wogo le sage. Comment ça va? Bon, ça va très bien. Et bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et puis, on passera un agréable après-midi. Quand est-ce que ça va s'arrêter?
Chaque fois, on dit oh, le sage, je me senti au quoi dire en bas. M'avez entendu dire quelque chose. M'avez entendu faire. Non. C'est beaucoup de trinité. Vous n'avez pas un problème avec Bougoumon ou bien quoi? Mais non, au fond. Rapproche le micro, s'il te plaît. Bougoumon, non, mais ou bien. Il est gentil, il a été bon, bah, ben, nous, les gym, machin, trinité. Et puis, mon défendu est en journée, si je vais descendre trinité. Aïe! Bon, non, je rigole, okay. Je rigole. Michel, bonjour. Bonsoir, bonsoir Mano, bonsoir le à tic. Tous les amis du plateau. Et puis j'espère qu'on va passer un bon moment. Je constate que c'était déjà bien entamé. Ah non, mais il faut rigoler. Hein. Ah oui, oui, je félicite notre invité qui m'a déjà donné un aperçu de son talent, on verra peut-être. D'accord, on verra l'invité dans quelques instants. Ouais. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, on va passer un bon moment. Il y a Joël qui est déjà en forme, très en forme. C'est aussi le... Il affirme sa forme de plus en plus. Et quand je te regarde, quand je te regarde, tu me fais penser à la bonne à Manu. Oui, là, le veston. Ah. Comment il s'appelle? Un saxophoniste, clarinette, c'est un excellent musicien. Manuel, ah, je cherchais le nom, Manuel. Ah oui, effectivement. Oui, avec le petit veston. Ce sont des tenues d'époque, toi. D'époque. Ça ne nous rajeunit pas, quoi. Mais eh oui, eh oui. C'était bon. Ça. Très en tout cas, bien. On va passer un bon moment. Oui, merci Tigla. Joël, bonjour. J'ai juste une demande, ce qui ne m'arrive pas souvent. J'aimerais que Roro interprète les divorcés pour une amie qui actuellement se trouve en Guyane et saura que le message lui est destiné. Ce sera fait. Merci beaucoup. Les divorcés. Elle est en plein divorce, elle a un souci. Je ne sais pas. En forme, oui. No comment. Mais non, mais jusque-là, ça allait. Et puis voilà. Bon, ok, très bien. Ok, donc au gros, les divorcés. Okay. Tu sais, personnellement, généralement, je ne vois pas qu'à moi dire rien. Donc, nous allons commencer. Et puis, mon saut, là. C'est pour ne pas oublier mon saut. On commence en boléro, les divorcés. Oui, oui. Oui, 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 comme ça, elle ne peut pas dire que tu n'as pas fait le message. Très important. Très important, d'accord. Les divorcés, donc en boulot. Comment ça va, Diane? Ça va bien, merci. Tu étais à Dillon samedi, dimanche? Non, toujours pas. Toujours pas à Dillon. Je n'y étais pas. Fais attention, le préfet vous surveille. Oui, hein. Oui, oui. Donc, je remercie Shelby qui m'a permis de jouer sur Seigneur. C'était bien, c'était très, très bien. Et tu dis ça à la télé, frère. On n'est pas censé faire de la musique sur scène, c'est dans-y, hein? Vous pouvez faire arriver aux autres, messieurs. Oui. C'était en visio. Oui. Ah, voilà. En visio, d'accord. Voilà. Ah, ouais, d'accord, en visio, d'accord. Oui, 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 oui. Hein, monsieur Cazel, en visio, un peu quand même. Hein. Donc, encore une fois, merci à Shelby. Ben, je tiens à te remercier aussi parce que le public, surtout, et on t'a apprécié beaucoup, beaucoup. Donc, on t'a félicité parce que tout le monde t'a félicité. Et après, on m'a dit ça, que tu es très jeune et tu es très fort, alors si tu me permets de te le dire, et franchement, et bonne continuation. Merci, merci beaucoup. Et je fais un petit coucou à Josiane, la mamie de Mariska, et c'est tout. J'espère qu'on va passer une bonne émission, et voilà. Il n'y a pas de souci. Il y avait beaucoup de public en visio, dans la télé. Vous avez pu faire entrer tout le monde dans l'écran, ça a été... Bon, je vais t'avouer ça après l'émission. Après l'émission, ouais. On ne sait jamais, tu as raison. Bon, monsieur de Sainte-Marie, de Roculier, monsieur Roger Isotti, comment ça va? Mon Dieu, j'ai bien peur de te donner ma carte d'identité. Ah, mais non. Moi, je me méfie, ouf, beaucoup pas bon la carte la pièce, monsieur, moi-même, non. Tout le monde peut connaître Bogaï, moi. Eh bien, oui, mais c'est Bogaï, monsieur. Eh oui. Bon, je salue tout le monde, je salue... Tu étais dans, au fait, tu étais avec Jessie aussi? Ou bien, vous n'avez pas passé les autres en moi? Vous êtes autant madras après-midi, hein? Non, je remarque que tu es un petit peu épris de Jessie. Jessie? Alors, je ne parle pas de lui. Non, mais c'est parce que... Non, c'est parce que vous êtes habillé... Je suis en train de me poser des questions. Non, ne t'inquiète pas, je ne suis pas épris de Jessie. Jésus, c'est un copain, je le connais très bien, il n'y a pas de souci. Mais j'imagine que mais ce n'est pas pour autant que je m'habille en madras. Et je ne m'habille pas en madras. Donc quand je vous vois tous les deux en madras, je me pose des questions, c'est tout. C'est pour te faire hommage. Ah bon, pour me faire hommage, d'accord, très bien.
Non, mais bien sûr. Bien, alors, je peux dire bonjour à mes amis. Je t'en prie. Je fais un coucou à mes parents, à mon papa en Guadeloupe. Monsieur Ménage. À quelques amis en Guadeloupe, ne serait-ce que Marcelia. Je pense aussi à monsieur Guy Foucan. À monsieur Guy Foucan, très bon ami. Je lui fais un gros coucou. Je salue aussi mon frère Francky, toujours en Guadeloupe. Je salue aussi MP et Madly. Je salue à la Martinique ma mère. J'espère que cet après-midi, enfin, je vous le demande solennellement, hein, de chanter pour elle sur les anniversaires, puisque c'est son anniversaire. Et je fais un gros coucou aussi à toute ma famille, mes frères particulièrement, Sergio, et mon frère Daniel des Anses d'Arlée. J'espère que cet après-midi, on va s'éclater, puisque ça a déjà bien commencé. Les hommages ont commencé. Mais je tiens à ce que, si vous voulez bien, chanter pour ma mère. Joyeux anniversaire ensemble. Il n'y a pas de souci, Roger. C'est un honneur. Tu permets que je finisse la présentation avant? Je t'en prie. D'accord. Alors, juste à côté de toi, il y a notre invité du jour, le fil rouge. Elle s'appelle Odile Pideri. Mais le plus important derrière, c'est bonne chose. Gourmandet. Bonjour, Odile. On sait pourquoi. Oui, on sait pourquoi. Bonjour, oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc heureuse d'être parmi vous. Je connais quelques d'entre vous. Je suis ravie d'être là. Est-ce qu'il faut que je salue quelqu'un? Ah non, là, c'est comme tu veux. Alors, oui, évidemment, je veux saluer ma famille. Bon, et mes amis qui me reconnaîtront. Voilà, et particulièrement, j'envoie un coucou à Marie-Gisèle, elle saura pourquoi. Merci. Marie-Gisèle? Oui. C'est une seule personne? Marie-Gisèle, hein? Oui, oui. D'accord. Marie-Gisèle. Oui. Merci, Odile. Il ne faut pas être timide, hein, parce que je te dis, ici, là, le samedi... Je suis timide. Ah ouais. Mm. Ben là, j'ai presque envie de dire que c'est bon. je te dis pas de te méfier des gouvernements. Alors, en tout cas, bienvenue, mais surtout, ne nous juge pas sur ça, quoi, parce que... Pas du tout, non. Voilà. La vie est suffisamment moche à l'extérieur, donc ici, on essaie de l'égayer un petit peu. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, Sonia va nous parler de Chacha. Elle a un amoureux en Guadeloupe. Quoi. Est-ce que tu as des nouvelles de Chacha, Soso? Bonjour. Bonjour, Mano, mais du tout pas. Chacha ne t'a pas rappelé? Non, il n'a pas mes coordonnées. J'espère. Chacha est parti l'autre jour sans prendre un coucou. Tu me dis ça en me regardant, je ne connais pas ton numéro, donc ce n'est pas moi qui... Si quelqu'un a donné à Chacha, ce n'est pas moi. Je ne connais même pas ton numéro, je ne connais même pas ton nom de famille, alors tu vois. D'accord. Donc Chacha ne m'appelle pas pour me demander le numéro de... Ce n'est pas moi qui vais te dire qu'elle s'appelle des frères, hein, oui. Moi-même. Ça va, Soso? Très bien, Manu, jusqu'à maintenant. Mais j'embrasse tout le monde sur le plateau, les téléspectateurs de Zouk TV... Et ma petite famille, et puis ma marraine Denise Desrons, mon papounet Roger Desfrêles, mes collègues Josiane Bisoli et René Léwa, René Plisfos. Et puis ma petite famille, j'ai déjà dit ça. J'embrasse aussi mes parents, la famille Desfrêles, Baliré, Motil. Mamie Rosalie, qui fait un séjour avec moi, c'est la maman de Nicolas. Gros bisous à toi, parce qu'elle est fanatique de Zouk TV. Elle regarde. Comment elle s'appelle? Son prénom? Rosalie. Rosalie, d'accord. Rosalie Baliré. Eh bien, messieurs, s'il vous plaît, on dit bonjour à Rosalie. Allez, 3-4. Bonjour, Rosalie. Voilà. Alors, fan de l'émission. Et j'embrasse les amis du VRPRE, elles se reconnaîtront, particulièrement Evelyne Milton, Daribo Marie-Olga, Rangoli Georgette. Et puis je termine en embrassant surtout les gourmandais. Moi je dis rien. Le gourmandes, je vous embrasse très fort. C'est tout. C'est bizarre que le Trinitéen n'ait rien dit à ça. Bonjour Madi, merci d'être avec nous cet après-midi, tu nous as manqué. Bonjour, Madi. Depuis combien de temps? Ça fait au moins un mois et demi. C'est vrai que le temps aussi m'a paru long,
Vous m'avez manqué aussi, mais bon, l'essentiel, c'est d'être là aujourd'hui. Eh oui, tout à fait. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour maman, plus mon bébé d'amour. Et puis, un bonjour particulier à une caissière que j'ai rencontrée hier dans un supermarché. Tu m'as laissé ton prénom, mais je ne m'en souviens pas. Je suis désolée, mais en tout cas, je t'embrasse bien fort parce que tu m'es fort sympathique. Voilà, et puis bonjour aussi à tous les autres, à tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je vous fais des bisous et puis musique. Musique, musique, oui, oui, tout à fait. Enfin bon, cette pauvre caissière, mais je ne veux pas créer un soupçon dans ta tête, mais on m'a dit dernièrement, cette semaine d'ailleurs, je parlais de ça avec Michel au téléphone. Quand on a Alzheimer, on oublie les derniers moments. Donc, le fait que tu oublies une caissière de cette semaine... Je n'ai pas oublié la caissière. Elle a un prénom original. Elle m'a écrit son prénom sur le ticket de caisse. Ah oui, ben oui, forcément. D'accord. C'est qu'elle-même, oui. Ce n'était pas un prénom genre... Habituel. Habituel, voilà. Donc, ce n'est pas une question d'Alzheimer, ça me rassure. Pas du franchement, tout, il ne me prend pas comme référence. Oui, surtout pas toi, Michel. Monsieur le maire, comment ça va? Très bien. Oui, très bien, ça va bien. Et tu as vu quand... Bonjour à tous. Bonjour, bonjour Raoul. Oui, je salue la Martinique, Tartane, Trinité, Sainte-Marie, et puis Basse-Pointe-Maguba. Bonjour à tous, bonjour à... Et puis aux gens que je rencontre, monsieur et madame Cadran, Bruno et Ginette. Alors, bel bonjour. Cadran ou Foucan? Non, Foucan, c'est toi. Donc, c'est toi, c'est Cadran. Ouais, ouais. Pour cadrer, je sais. Fouquet, je ne sais pas. Oui, il y a aussi Viviane Duvauclin. J'espère que tu as entendu ta chanson la semaine dernière. Je n'ai pas eu le temps de te répondre. Alors, je te souhaite de nous regarder. Laquelle, Mia? Non, Destin. Ah, Destin. Et puis, bonjour à M. Pierrot Wiltor du Macouba. Et je souhaite de très bonnes vacances à Madame Euphrosine Magui. Bien. Merci, Monsieur le maire. Et puis nos amis de la Guadeloupe. Je te laisse le soin de... Oui, Gina, Chantal, les amis de Trois-Rivières. Et... Les amis de Trois-Rivières, Annick, Wonnie, son épouse. Oui, oui. J'ai... Toute l'équipe de Trois-Rivières. Je retiens, je préfère dire toute l'équipe de Trois-Rivières. Non, la comme... fille des dieux à Goubert. Et tout le monde. Très bien. Madame de Varieux. Enfin, tout le monde. Madame de Varieux, sa fille, mes parents. Et je vais vous demander aussi de dire bonsoir à une invitée spéciale qu'on a dans le studio cet après-midi. Elle est là-bas. Et c'est la maman à Joël Zabulon. Donc, en cœur, s'il vous plaît, bonjour à Madame Zabulon. Bonjour, Madame Zabulon. Merci pour ta visite, ça fait plaisir. Et je pense que Joël va faire plus attention pendant que tu es là, pour faire plaisir à maman. Ah, il sera sage. Voilà, c'est que je ne vais pas dire de bêtises aujourd'hui. C'est l'autorité suprême, donc oui, je ne dis pas de bêtises. Là, voilà, donc il faut faire attention. Voilà. Et puis moi, j'ai un quimbered à M. Stanislas Cazel. Ah bon? Pour effet de la Martinique. C'est camarade. Je me suis mis. Non, je n'ai pas camarade, moi, mais moi, pas envie pour camarade non plus. Je n'ai pas le niveau. Mais moi, je sens que j'ai mis hier soir. Couché là, à changer. Tout le monde m'entend parler. Ah, préfet, ah, et j'ai imaginé le gars seul. Ben, c'est vrai, il m'a dit, mais c'est tout seul là, il a toutes les responsabilités. Tout le monde fâché contre lui, plus ou moins. Tu changes de camp là? Hein, non. Non, mais. Je conçois que le gars a un problème, et bon, c'est pas parce que tu as... Comment te dire, Joël? Je te dis quelque chose. Je suis contre toi dans ce que tu as dit, par exemple. Mais n'empêche que, quand je pense à toi, je me dis, bon, monsieur est tout seul, il n'y a pas une personne qui a aidé, il est tout seul. Des fois, si vous tenez un coup de fesse, je ne parle pas de lui, mais est-ce qu'on ne cherche pas parfois ses problèmes, en fait? Bah, j'en sais rien, moi. J'ai des retours audiophoniques, c'est tout. Oui, je rejoins Joël parce que, par exemple, le président déclare que tous les Français sont des procureurs. Vous avez entendu ça? Oui, c'est très grave, ça. Donc, tous les Français le mettent en accusation. Quoi. Mais c'est grave, pourquoi, en fait? Enfin, bon, on n'est pas dans l'immortel, mais c'est grave, pourquoi? Bon, on ne va pas entamer un débat politique, oui. Mais il y a différentes manières de faire passer cette même idée. Quoi, voilà. Parce que les gens s'acharnent sur le gouvernement, voilà. Voilà. Enfin, il aurait pu dire que...
tous les Français sont des éternels rouspéteurs. C'est pas vrai. Oui, mais des râleurs. Des râleurs, mais c'est même pas elle. Oui, mais procureur, ça a une autre connotation quand même. Bon, très bien. Mais figure-toi que si le préfet est couché seul à réfléchir, il pense peut-être à son compte en banque. Hein. Peut-être pas à nous, hein. T'inquiète pas. Ça, on l'a fait, Montegard à la place, on l'a fait même là. Donc voilà, donc les deux bons. Monter, bon, là, on va monter là. Exactement. Allez, on prend quelques appels, Grégory, s'il te plaît. Manu, Inis à nous pas mis, quoi. Avant de lancer, je voudrais rajouter un petit bonjour à mon frère Jean-Michel de l'État Zabricot, avant l'anniversaire de ma maman. Très bien. Okay. On prend un appel, s'il te plaît, Grégory. Allô? Bonjour Monsieur Granier, bonjour aux artistes, j'attends ce jour, ce moment-là, chaque après-midi. Bonjour. C'est Anita Dufrançois. Bonjour Anita Dufrançois. Ça va? Oui, ça va, merci, et toi? Mais je vous aime, et puis voilà, je pense à vous, et que ça continue encore pour 100 ans. Ben et oui. Et puis, si c'est possible, Monsieur Granier, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma fille Pascaline. Alors, si c'est possible que M. Isotti et Diane oui. Un merengue, non, Rottaï ou merengue. Ok, ça va être fait. Ou Mazuka. Okay, et puis, je voudrais envoyer le bonjour en vitesse pour la famille Fauchéry, Peslier, Redo, Jean-Louis, Rosette, Marise, Marie-Eddy, et la famille Canor, la famille Roll, Ponzola, Luciat, Madame Monette, Madame Sina, Daniel Mirabli, je te remercie beaucoup pour l'aide quand je travaillais. La famille Paulette Verpré, les deux Ginettes de Sainte-Marie et beaucoup de bonnes choses. J'ai okay. pensé de ma part. Et si c'est possible, et comment il s'appelle, Madi, et si mm-hmm. c'est possible pour la Guadeloupéenne, s'il te plaît. D'accord. Si c'est possible, hein? Très bien, Anita Dufrançois, ça sera fait. Merci beaucoup. On prend un autre appel, oui. Non. Zouk TV, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je dis bonsoir à tous les bonsoir. Amis. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Amour, qui sont sur ce plateau. Il y a beaucoup de monde ce soir. Oui. Et bon, j'envoie le bonjour à tous ceux qui me reconnaissent. Mais qui est au téléphone, en fait? La personne ne s'est pas présentée. C'est une voix mystérieuse. Ouais, c'est qui? Vous êtes qui, madame? Je suis une personne de gros monde. Hein, quelques... Ah, du gros monde, des mamelles ou du gros monde? Des mamelles c'est... ou du gros monde? Non, mais... c'est quelqu'un... Il y a une commune gros monde en Guadeloupe? Il y a Mornebourg. À Mornebourg, parce qu'on voit votre numéro de téléphone, on sait que vous appelez de la Guadeloupe, là. Oui, c'est une dame que vous ne connaissez pas. D'accord, Musclor est là, tout le monde est là. Tu nous dis rapidement pour c'est qu'on puisse commencer. Remarqué, c'est pour ça que je dis à tous mes amours qui sont là cet après-midi, hein, il y en a beaucoup. Oui. Et je leur dis un gros bisou. Et surtout, Momo, oui. Nous avons l'autorité suprême cet après-midi-là avec nous, parmi les invités, en dehors du plateau. Donc ne dis pas de gros mots, ne dis rien de bizarre. Hein? Non, ce que je voulais dire, qu'il y a un monsieur qui attendait d'être fortuné et puis qu'on dirait qu'ils ont pris à dans la trappe parce qu'il n'est pas là, il ne peut nous pas carrer, même. Fortuné, c'est qui? Il attendait... Ah, Roger Fortuné, oui. Eh bien, appelle-le, Momo. Comment je fais, Doudou? Mais il avait donné son numéro de téléphone l'autre jour. Mais Shelbert a le numéro. Appelle Shelbert, il va te donner. On est numéro fortuné, Shelbert. Vous pouvez avoir une CDA. Merci. Shelbert a le numéro, il va te le donner. C'est ça. Pas le numéro à Shelbert. Alors, qui est-ce qui va me numéro à Shelbert? Mais tu as le numéro de Manu. Bon, alors, Roger a le numéro à Shelbert. Tu as le numéro de Manu. Mais je n'ai pas le numéro de Roger, alors je ne sais pas qui me donnera le numéro. Écoute, d'une pierre, attends, d'une pierre, on fait plusieurs coups. Raoul a le numéro de tout le monde. Et tu pourras échanger avec lui. Bah, je vais découcher. On va découcher, Raoul, le moment Raguio. Non, c'est que je suis dans le jardin, j'entends pas. Aïe. Ouais. Et puis Momo. Il est tellement poli au téléphone. Et puis Momo, l'air quoi crier, il est dans le jardin, et puis ça envoie madame qui répond nous. Ah, ça, c'est un problème. Ah bon. Bon. On n'en dit pas plus. Bonne journée.
Eh bien, j'attends une bonne émission. Je ne demande pas de chansons. Je m'octroie à toutes celles qui vont passer. Merci, Momo. Gros bisous. Allez, un dernier appel pour l'instant, puis après on démarre. On fait le joyeux anniversaire de la maman Roger, puis on démarre avec Oro pour les divorcés de la Guyane. Allô, oui. Bonjour. Oui, Mano, comment vas-tu? Oui, comment ça va, Christiane? Oui, ça va, ça va. Je suis un petit peu fatiguée parce que je ne me suis pas reposée aujourd'hui. Toute la journée, le téléphone... Ah bon? Le téléphone sonne, je dois dire pourquoi. Oui. Alors, je commence. Je vous aime tous sur le plateau. Merci, et je Christiane. Vous embrasse. Bisous, bisous. Oui, Christiane. Alors, un joyeux anniversaire à Yvette. Oui. Je lui dis Yvette Samous, du Aubert, et j'envoie un petit coucou à son mari. Je leur dis plus force. OK. Et puis, dire que je voulais te demander, enfin, je voulais dire quelle est la nouvelle d'Anita Dufrançois, parce que je ne l'entendais pas. Et puis, je remercie Suzy pour le petit coucou. D'accord. Et puis, je dis merci à tous mes amis qui m'ont appelé aujourd'hui. Le téléphone n'a pas cessé de sonner. C'est ton anniversaire? Et puis, je me dédicace la séquence de chansons que vous aurez à donner. Aujourd'hui, j'ai un bel âge. Ah. Roger et Maud, il faut dire je t'aime à ce qu'on aime. Et Roger, oui. Et comment tu l'appelles? Je suis un petit peu, comme depuis tout à l'heure, là, sur le téléphone. Raoul, au Saint-Esprit. Oui. Les feuilles montent pour... pour Oro. C'est... Okay. Je suis un petit peu ému. Et puis les autres me donnent ce qu'ils veulent. Okay, et puis Christiane. Je dis un petit coucou à Madame Zabulon. Oui. Je le dis, je la félicite pour ce super garçon qu'il a au piano. Ah, eh bien, te remercie de l'autre côté. Oui, aujourd'hui j'ai un bel âge. Je n'ose pas te demander combien, mais en tout cas... Ah, je ne suis pas du genre... Il n'y a qu'à dire date de naissance préférée, ni ça toute qualité. J'ai 75 ans aujourd'hui. 75 ans? Oui, aujourd'hui. Très fier. Eh bien, dis donc. Le temps me rattrape, mais je ne suis pas... Je ne suis pas démis de... J'accepte mon âge. Je fais avec. OK, Christiane. Le seul petit problème, c'est que, tu vois, la marche... Oui. C'est un peu gênant, mais à part de ça, il faut faire avec, hein. OK. Alors, je compte sur mes amours, mes frères, mes tous, mes sœurs. Oui, oui. Il n'y a pas de souci, j'ai manqué. Je vous embrasse tous aujourd'hui. Gros bisous. Et, oui. Bye. Allez, bye. À bientôt. Oui, bye. Alors, cet esprit, les feuilles montent, mais là, demande une première chanson. C'était quoi? J'ai pas noté. Il faut dire je t'aime. Très bien. Allez, le dernier appel et puis on chante pour les divorcés. Zouk TV, bonsoir. Le dernier pour maintenant, vous allez pouvoir hanter. Parler tout à l'heure. Zouk TV, bonsoir. Allô? Ah, oui, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Je vous ai réveillé? Non. Non, d'accord. Il faut baisser sur la télé, s'il vous plaît. Quoi? Il faut baisser sur la télé. Ah, ah. C'est bon, on peut y aller? Oui. Allez, je t'écoute. C'est pour Macron. C'est pour Macron? C'est pour la télé. Pour Mano? Oui, mais on t'écoute, hein, tu es déjà à l'antenne. Allô? Oui. Tu peux parler, on t'écoute. Allô? Allô? Il faut baisser sur ton téléviseur, comme ça tu vas mieux pouvoir échanger avec nous. Joël, tu n'as pas emmené le flou pour Grégory là aujourd'hui. Allô? Non, Grégory. Où est ça? Voilà. Bon, allez, c'est fini, mais c'est dommage. Vous êtes là, madame? Oui, je suis là. Ah ben, on t'écoute. Allô, Mano? Oui, c'est moi. Allô? Oui, oui, tu peux parler, je t'écoute. Je vais te donner 10 petits blagues. Tu veux? Je vais te donner 10 petits blagues. Tu veux donner une blague? 10 petits blagues. C'est ça? Deux petites blagues, vas-y. On t'écoute. Tu m'écoutes, Mano? Oui, Mano t'écoute, oui. Allô? Oui. On t'écoute, tu peux nous donner les blagues. Mano, je te donne une petite blague sur les chiens.
D'accord. Bien. C'est peut-être ça. Allô, bonsoir, tu nous entends? Oui, j'entends. Mais pourquoi tu parles pas? Bon, ben, Grégory, tu lui expliques hein, qu'on ne peut pas échanger comme ça. Allez, joyeux anniversaire à la maman Rouget. On fait ça a cappella. Joyeux anniversaire à ta maman et à Christiane, s'il vous plaît. Non, Christiane. Ben aussi. Ben j'ai aussi Micheline qui va fêter son anniversaire demain. Donc, Mimi, joyeux anniversaire en avance aussi. Très bien. Il y a Manita aussi. Il y a Mamita aussi. Manita. Mamita. Manita. Oui. Tu as qui l'anniversaire de qui? Michel. Et Machel. Et Machel. Voilà. Donc, joyeux anniversaire à tout ce monde. On y va. Et ma pupus aussi la semaine prochaine. Je sais pas. Sol, c'est parti. 3, 4. Joyeux anniversaire. Z. Joyeux anniversaire. Maman Z. Joyeux anniversaire. Christiane. Joyeux anniversaire. Deuxièmement. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire, Christiane. Joyeux anniversaire, Micheline. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bisous, maman. Vous allez me redonner la liste tout à l'heure pour que je rappelle les prénoms, hein, parce que ça a été fait dans le désordre. Okay. Dis à ta maman que tu l'aimes, Roger. Maman, je t'aime. Voilà, il faut dire où je t'aime. Profondément. Voilà. Très bien. Grand on fait moment, les divorcés. Juste après ça, on fait il faut dire où je t'aime à tous ceux qu'on aime. Les divorcés. Non, il ne faut pas mélanger. C'est autre chose. Non, les divorcés, oh, je te demande de chanter ça pour ma maman aussi. De le dédier à ma maman. Ok, ce sera fait. Oui, justement, on n'est pas en train de ça. Allons-y, c'est parti. Donc, les divorcés. On pourrait, dans un premier temps, donner la gosse à tes parents, le temps de faire le nécessaire. Il faut quand même se retourner, ça me fait drôle de divorcer, mais ça ne fait rien, je vais lui faire. Si tu voyais mon avocat, ce qu'il veut me faire dire de toi, il ne te trouve pas d'excuses. Les jolies choses de ma vie, il fallait que je les oublie, il a fallu que je t'accuse. Gardera l'appartement, je passerai de temps en temps quand il n'y aura pas d'école. Ces jours-là pour l'après-midi, je t'enlèverai Stéphanie, j'ai toujours été son idole. Si tu manquais de quoi que ce soit, tu peux toujours compter sur moi en attendant que tu travailles. Je sais que tu peux t'en sortir. Tu vas me faire le plaisir de te jeter dans la bataille. Si c'est fichu, entre nous. Mais au début, j'en ai bavé, je rêvais presque de vengeance. Évidemment, j'étais jaloux, mon orgueil en a pris un coup, je refusais de te comprendre.
À présent, ça va pour mieux. Et finalement, je suis heureux que tu te fasses une vie nouvelle. Tu pourrais me faire aussi un demi-frère à Stéphanie. Je serais merveilleux pour elle. Si c'est fichu, si c'est fichu entre nous, pour nous monter l'un contre l'autre. Ce serait moche d'en arriver, toi et moi, à se détester et à se rejeter les fautes. Alors, il faut qu'on ait raison, car cette fois-ci, c'est pour de bon, c'est parti pour la vie entière. Regarde-moi dans les yeux et jure-moi que ce sera mieux, qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Si c'est fichu entre nous, la vie C'était donc Joël pour les divorcés de Guyane. Tout à fait. Il y a un autre morceau pour leur faire plaisir. Je crois que c'est suffisant, c'est assez clair quand même. D'accord. Ouais. Elle est peut-être triste, je ne sais pas. On va lui dire je t'aime par exemple. On peut lui dire ça. Je ne pense pas qu'elle soit spécialement triste. Ah, c'est un message qu'elle envoie au bonhomme. Je pense, il y a des décisions qui sont assumées. Et puis, il faut bien retenir le texte de la chanson. Si c'est fichu entre nous, la vie continue malgré tout. Malgré tout. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça a tout son sens. Mmh. Ouais. Voilà. Pauvre Boug. Bon, alors, il y a Réjeanne de Guyane, justement, qui nous a envoyé le bonsoir. Elle nous a dit confinement plus couvre-feu. Yo priant ça en Guyane. Donc, Réjeanne, bon courage. C'est vrai qu'en Guyane, là, c'est chaud. Couvre-feu plus. Confinement, plus des divorcés, bon, ben voilà, ça arrive partout. Et puis bonjour, un petit coucou aussi à Aline du côté de Lyon, qui nous regarde sous le foie, qui nous écoute et qui nous regarde d'ailleurs sous le foie. Voilà, il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, Joël. Pour Christiane particulièrement, pour la maman Roger, et puis à tous ceux que... Elle sera contente. Enfin, je suppose, Roger, que ce n'est pas seulement à ta maman que tu veux dire que ce n'est pas elle seulement que tu aimes. Donc, à tous ceux qui nous regardent. À tous ceux qui nous regardent. Tu t'en sors bien, c'est bien. J'espère qu'ils prennent du plaisir. De toute façon, j'en suis pas sûr. Ne bégaye pas, ne bégaye pas. Ils prennent du plaisir. ou du plaisir. C'est bon? Je vais faire partager cette chanson à mon ami Emmachel. Oui. Oui, je lui dédie cette chanson. À Emmachel. Absolument. D'accord. Et toi, Shelbet, tu dédies cette chanson à qui? À Manita, c'est ça? Oui, Manita. Manita, oui. D'accord. Très bien. Il n'y a pas de dédicace particulière? À oui. Mon papounet, Roger Desfrêles. À ton papounet, Roger. Tu as vu, c'est toi qui donnes à Chacha ton nom. Hein? Ah, Chacha connaît le nom de ton papa et ton nom maintenant. C'est bizarre qu'il ne nous ait pas appelé. Hein? Pas encore. Enfin, tu arrives à temps. C'est pas qui sait attendre. Voilà. Ouais.
que tu es ma femme. La vie n'est qu'un éclair, une illusion qui s'évanouit dans l'air. L'amour, celui qu'on donne, est une clé qui fait vivre les hommes. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'ils à tous ceux qu'on aime tant qu'il en est temps.
je t'aime. Voilà, il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime. Alors, vous avez fait vos dédicaces aux gens que vous aimez, c'est bon? On peut passer à un autre morceau, ça va? Moi, j'ai quand même une pensée pour un ami proche que j'aime beaucoup. C'est Oro Deg Deg. Donc, voilà. Mais je sais qu'il m'aime. Donc, je t'aime, Oro Deg Deg. Et puis, je voudrais dire aussi à ma seconde maman que je l'aime beaucoup. Voilà. Elle nous rend visite cet après-midi. Donc, elle aussi, je l'aime. Ouais. C'est la COVID qui fait dire des choses parfois. Hein. Non, c'est peut-être. C'est pas COVID là, mais bon. Peut-être un punch avant l'émission. Oui, une nostalgie. Pas ça un truc très profond. Tu as senti ça? Ah, ouais. Bon, allez, Diane, c'est à toi. Il n'y a pas de téléphone. Pardon? Ah oui. C'est par rapport à Michel. Hein. On est obligé de mettre un peu de clim pour Michel. Donc, allez, on part donc avec. On commence avec Ratla. Le rat. Ouais. Thank you.
Là, c'est sûr que Chelbet appelle encore cette semaine. Hein. Ça, c'est clair. Allez, on dirait aussi l'œuvre de Gustave aussi. Oui, Gustave Francisque. Ouais. Pas oublier qu'il y a du talent là. Merci, merci Roger, c'est vrai. L'élève de M. Gustave Francisque, le maestro de... Quel groupe maintenant? Saboti Créole. Saboti Créole, les gars. Personne va... Il n'y a que toi. Mais oui, pas possible. Les autres savent... Tu savais pas ça. Roger a joué avec Roger a joué avec Saboti Créole, j'ai oublié nos orchestres là. Non, parce que ça s'écrivait autrement. D'accord, très bien. Allez, on a notre invité Phil Rouge cet après-midi. Et elle va nous interpréter une chanson maintenant qui parle de frissons, de caresses. C'est frissons, c'est bien ça? C'était ça? Frissons. Mais oui, mais on vient de faire un pot-pourri de Mazioka. C'est bien ça, c'est frissons alors. Oui, ça s'appelle Pas besoin parler, mais j'ai dit qu'elle parle de frissons et de beaucoup de choses. C'est ce que j'ai dit. Hein. Très bien. Non, la caméra, non, mais Joël, tu vas l'intimider, Joël, franchement. Et Grégory, c'est un gars, ne t'inquiète pas, les caméras, il est vite. Il te fait un plan hyper serré, du menton à la tête. Allez, c'est parti. Personne
sont à la Saint-Pour, ils n'ont tient moins depuis longtemps. Vini quoi, 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 ça va Roger, tu redescends sur terre, je te sens un peu perturbé, non? C'est bon? Bonjour, c'est Joël. Ah, c'est Joël qui te fait cet effet-là, Roger? C'est, oh là là, c'est grave. Non. Alors, non, j'ai des messages pour toi, Roger. Ça va? Demande à tes collègues de te laisser entendre les messages, c'est extraordinaire. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit... Alors, il faut que je choisisse, il y en a tellement. Waouh, Mano, super cette chanteuse. En plus, elle ressemble à la chanteuse de Carapate. Vraiment super, Mano. Oui, oui. Oui, oui. Parle le micro, Michel, s'il te plaît. Oui, oui, effectivement. C'est elle est un peu plus courte, si tu la connais. C'est à peu près le même visage. Ouais. Merci. Génie, c'est là. Génie, oui, génie. Alors, ensuite, là, il y a Marius Modeste qui te demande. Alors, il dit, salut aux mercenaires. Est-ce que Odile peut jouer un morceau de saxophone pour moi? Tu joues au saxo? Tu nous as caché ah ça? Ah bon? Oh, alors là. J'ai commencé, il m'a laissé tomber. Non, j'ai pas terminé. Bon, je suis trop vieille pour ça, du coup. Mais s'il met ça, c'est qu'il sait que tu peux jouer un morceau. Mais tu n'as pas ton embouchure avec toi? Je n'ai pas emmené, non. Non, tu n'as pas ton sax dans ta voiture? Non, Manu. Ouais. Bon, je pensais que s'il disait ça, c'est qu'il était persuadé que tu voulais jouer. Bon, ben Marius, emmène-lui ton sax, hein. Au prix ça, si tu veux qu'elle joue au sax. Bon, voilà, en tout cas... En surprise, hein, là. Et il y a des messages que je n'ai pas osé te dire. Ose donc. Non. Non, est-ce déplacé, je ne sais pas. Non, jamais. D'accord. Non, ici, jamais okay. De message déplacé, non. Il n'y a pas de problème. Mais je te dirai ça après. Michel écoute, tout le monde écoute, non? Allez. D'accord. Merci. On va faire chanter Michel d'ailleurs. La fin du monde. Gilo? Ah, Gilo. Michel. Non, pas Gilo, la fin du monde à la clarinette. Hein? Et puis tu vas faire Soso chanter aussi. La Guadeloupéenne. C'est bon pour toi? Ah non, c'est pas pareil. Attends. Sonia, désespoir. Ok? Monsieur Michel Timon, non mais vraiment, depuis que tu es à la retraite, tu es devenu... Tu es insupportable. Alors, on commence avec Michel et ensuite Soso va nous interpréter Désespoir. Et après, si tu as encore le courage, tu joues pour le bonhomme de Tartane, ou je m'en rappelle là. C'est un morceau national tartanais. Ah oui, le préfet. Allez, c'est parti. Pêcher, o cai
Bye.
marché.
carême. Tout tigrillé des voudrées chantées paille. Tout colibri des voudrées caresser. Mais pas qu'à oui, pas qu'à temps. C'est grand soleil qu'à temps. Les grands soleils, mais t'es qu'on y a chauffé. Et c'est rien des séchés, pas n'est tombé. C'est en tiflé que c'est rien. Tiflé rideau chalet carême. Tout tigrillé des voudrées chantées paille. Soleil qui attend, et dans soleil, mais t'es qu'on y a chauffé, et c'est qu'il y a des séchés, pas n'est tombé. La jeunesse, si on tend, qui écoute mon mail, j'en dis où n'y vais en frais, demain ou vieux ou pas DJ. La jeunesse, si on tend, qu'a passé ni un pire, tâché de profiter pour compter la vie, en dans un pire temps. Plein de tendresse pas loin. La jeunesse si on tend qu'à passer ni vie. Pas laisser l'amour en glisser dans l'ombre on fait glisser là. You're my team.
Tu verras, Maud, qu'on te félicite beaucoup pour ton retour. C'est vrai, je t'ai dit que tu restes un mois et demi sans venir. Merci. C'est grave, ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai pensé à Tati Gisou, hein, toutes ces belles mazurkas de notre pays, la musique de mon pays. C'est Tati Gisou. Elle adore la musique. C'est Saint-Joseph, c'est Lakini de Loire, c'est qui côté. Et elle m'avait promis qu'elle allait faire entrer la Béguine à l'Olympia. Bah, comme ça, c'est bien, non? Mais n'a pas encore c'était fini, son rêve. Hein. Mais n'a pas fini, Michel. Non, mais on ne sait pas, parce qu'avec Jésus, tu sais, elle m'envoie des fois des petits messages de... Cœur Bouliki, voilà, je pense à Cœur Bouliki. Cœur Bouliki, c'est sa découverte, quoi. Et je crois qu'Yann Monplaisir, on devrait faire une statue à l'entrée de Cœur Bouliki. Non, mais tu sais qu'il y avait des plaques, elle avait fait une grande cérémonie à Cœur Bouliki, mais on avait remis des trophées. C'est pas suffisant, il faut qu'on fasse une statue de Tati Jésus. De Tati Jésus. Ouais, quand même, Yann peut faire ça. Ouais. Quand même. Bon. Chelbert, je crois qu'on va changer le morceau. On ne va pas faire Marie-Jocelyne. Oui. On va peut-être faire Mian Mian. Oui. Je pense que ça va faire plaisir plus à mon ami. L'un et l'autre se valent. Mm-hmm. Ça, on va penser. Oui, Michel. À téléphone, téléphone. Allez, on va au téléphone. Zouk Télévision, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir madame. Bonsoir, madame. Bonsoir Chimbel, bonsoir Michel, c'est la porte de Chacha. Bonsoir. Allô? Oui, tu es à l'antenne. Oui, ça va Michel? Si. Allô? Oui, ça va là, tu peux y aller, ouais. C'est la porte de Chacha. Chacha. C'est Chacha. C'est Chacha, ouais. Michel. Ah, c'est pour ça que j'ai vu que Sonia a changé d'expression tout de suite. Oui, tu peux y aller, alors là, vas-y, franchement. Hein. C'est très bien. On a senti comme un fouet, quoi. Ah. Un vent glacial qu'il a. Tu lui envoies un texte pour qu'il appelle, non? Alors, Sonia, comment tu vas? Aïe. Ça va, Chacha, et toi-même? Je vois de toute belle. Merci beaucoup. Chacha. Ça de te voir devant moi. Ouais. C'est formidable. Un petit peu plus fort, Grégory. Sonia n'entend pas assez bien Chacha. Ah, mais oui, il faut qu'elle entende bien. Alors, donc. Ah ben voilà. Là, ça te va comme ça. C'est mieux, merci. Donc je vous envoie beaucoup le bonsoir à vous tous. Hein. Chacha, mais tu bégayais pas avant. Qu'est-ce qui t'arrive là? C'est l'émotion, quoi, certainement. Oui. Non, pas à comprendre.
Mais en tout cas, ça fait très plaisir de vous voir, hein, devant cet écran. Mm-hmm. Et puis je vois la demoiselle à côté de Sonia. Odile. Mm-hmm. Odile. Odile. Oui, Chacha, bonsoir. Je vais partir, hein. Là, tu dis quoi? Là, est-ce que tu fais partie d'un groupe? Oui, oui, là. Oui, oui, oui. Chacha, attends, Chacha, oui. Chacha, stop, oui. Stop, stop. Oui. Ou pas qu'on change là, non? Attends. Non, non, mais quand même. Il faut qu'on sache, c'est soit Odile ou soit Sonia. C'est soit Odile ou Sonia. Il faut faire un choix. Mais elle a chanté très bien. Ah, tu veux la féliciter? Merci. Oui, voilà. Ah, d'accord, ok, Chacha. Sonia va content. Ben oui, parce que... Sonia est très déçue. Mais Sonia, c'est que je suis là, après tout, hein. Parce que normalement, quand tu appelles ici, tu ne vois que Sonia. Aujourd'hui, tu... On va reprendre. Et aujourd'hui, je vois... Mais non, c'est pas... On va être jaloux, quand même. Non, moi, c'est... Allez, Chacha, vas-y, on t'écoute. Bon, ben, Roger, bonjour, Roger. Bonjour, Chacha, tu es bien fort. Tu vas bien, je vois que tu as une belle chemise sous toi. Comment? T'as une belle chemise. Beau ta chemise. Merci, merci infiniment. Ainsi que le saxophone. Diane, ça va? Diane. Oui, il t'a répondu. Mon petit père. Ouais, d'accord. Eh bien, oui. Sonia. Bonjour, moi. Sonia. Oui, je t'écoute, Chacha. Chacha te parle. Je veux que tu me vois un petit biggie. D'accord, ce sera fait alors. Avec l'accord de Mario. Une begin, attends. Une begin ou bien un boléo? Un slow. Ce que tu veux. Boléo, begin. Boléo, begin? Ce que tu veux. D'accord. Bon, ok. Un boléo ou begin. D'accord. Ok, sans problème. Bon. Moi, j'aime tout. Ah, oui. Il aime tout. La preuve. Je te trouve bien rapide à ces jours-ci. Bon, eh bien, mon frère, à bientôt. Je vais aller. Bonjour à la Guadeloupe. Tu nous rappelles le nom de tes orchestres en Guadeloupe, là, au fait? Guadamaster. Comment? Guadamaster et Wallens. Wallens et Caramel. Et Caramel, j'avais oublié, j'avais pas marqué Caramel. Caramel, Guadamaster et Wallens. C'est des marques de voitures, ça. Non, pas du tout. Ok, eh bien, Chacha, bon week-end à toi. Au plaisir. Au plaisir, mon frère. Pas de problème. À bientôt. Qu'est-ce que l'amour fait faire et fait dire, mon Dieu? Sonia est venue quand même. Sonia. Oui. Sonia, ouais. Je soupçonne Sonia de lui avoir envoyé un message pour lui dire, mais tu n'appelles pas aujourd'hui. Ouais. Son téléphone est ouvert. Ah. Allons, on prend notre appel. Zouk TV, bonsoir. Bonsoir, monsieur Daniel. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, monsieur Daniel? Ben, ma foi, ça va. Qui est-ce qui nous appelle? Oui, parce que ça est passé, après j'ai fait tout ce qui passe. Alors, est-ce que tu peux baisser sur la télé? Oui. S'il te plaît. Oui, alors, tu nous appelles d'où? Je t'appelle du loin, M. Garnier. Tu m'appelles du loin? Oui, M. Garnier, la personne qui vit bien. Là? La personne qui vit très bien. Le policier du loin, c'est mon copain, ami. Ton copain. Ah, oui. Le copain Michel. Charles. Oui. Allez, alors Michel a dit la dernière fois que tu avais un rire particulier. Donne-nous un coup pour qu'on voit. Coup, Charles, ouais. Bah non, tu coup... C'est vrai, hein? On aurait dit un perroquet, c'est sûr. Ouais, vous gagnez, monsieur, c'est terrible. D'abord, on dit que tu as fait pas mal non plus, hein? Oh, pardon? Oui. Ne te fais pas mal nommer parce que M. Granier me connaît, Michel me connaît, je suis international. D'accord, donc j'ai hâte de te connaître alors. Ah, mais tu vas me connaître, ce chabert là, tu vas me connaître. C'est le policier du loin, c'est ça, Michel? Oui, le policier du loin, le policier municipal. Ah, ben on se connaît alors. Le chabert. Ouais, voilà, c'est un chabin, oui. Ok. Si on te donne un PV au loin, tout ça, tu emmènes ça. Bon, ils vont être d'accord. Charles. Tu demandes pour Charles, et puis c'est réglé. Oui. Oui. Mais nous, pas tous en foi, mais on les a. Ok, Charles. Je vous laisse continuer. S'il te plaît, oui, on va essayer.
Mais vous avez de votre musique, c'est bien, c'est bien. Ouais. D'accord. Je vais demander au maire de Trinité qu'un jour, je viens vous assister un jour. Le maire de Trinité, c'est toi, frère, regardez-moi. Ouais. Qu'est-ce que tu as dit, Charles? J'ai dit qu'as-tu que dit? Je vais demander au maire de Trinité que je puisse venir admirer ce groupe. Ah, le vrai maire alors? Oui, c'est lui qui est en face là. Ah, Charles, mais oui. Ah, mais tu peux, tu peux. Tu n'as même pas besoin de mon autorisation. Fais comme sur le caillou. Bon, ben Charles, à bientôt. Ok, et puis, et puis, on va voir avec, avec Pamphile. Okay. C'est Justin. Justin Pamphile. Justin. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ouais, ok, merci beaucoup. On le fera venir chanter comme la dernière fois. Exactement, oui. J'ai chanté, Bino. Oui, oui. Allez, on prend notre appel et puis on part avec Mian Mian. On fait un petit tour chez toi. Zouk TV, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. J'appelle de la Guyane. Comment ça va, la Guyane? Eh bien, ça va bien. Alors, Rodolphe de Cayenne. Rodolphe de Cayenne, dis-moi. Oui. Zot confiné, zot ni qui ça encore? Confiné, pour l'autre là, c'est qui ça? Le variant brésilien. Non, mais il est confiné. Oui, couvre-feu. Oui. C'est-à-dire que demain, vous ne sortez pas du tout. Dimanche, vous n'avez pas le droit de sortir. Non. Alors, comment tu vas faire? Tu aimes ton carnaval? Hein? Oui, bien, pour moi, personnellement, je suis chez moi. Ah bon? D'accord. Donc, tu étais déjà chez toi. Voilà, tu étais déjà confiné. Voilà, exactement, oui. D'accord. Alors, donc, je voudrais chanter. À ta voix, je pense que c'est toi qui as fait les arrangements sur le morceau de Roger. Exact, le Merle Noir. Exact. Bah non, un petit coup du Merle Noir. Mais oui, d'accord. Alors justement, je t'ai dit nous deux pour la bonne Amano. Ah, merci, et, frère. Monsieur, il nous dédie, nous deux. Merci. Dire, merci. Pour Martinique, Guadeloupe et Guyane. Pour les médecins qui nous soignent. Oui, la lutte des convergences, oui, Martinique, Guadeloupe, Guyane, oui. Exactement. Mettez Roger à l'antenne, c'est le morceau de Roger qui va chanter, voilà, Roger pensif. Chante pour Roger, il t'écoute. D'accord. Alors, je suis attentif. On s'est bien dit des choses, nous étions les plus heureux du monde. Il fait des voix de tête. Si tu entends ma chanson, c'est une chanson pas de pitié. C'est une chanson et donc pour toi, si tu veux, viens l'écouter sur notre âme. Habitué, je te comblerai de mon tendre. Et c'est la clameur le mot. Ah non. Semble me parler. Le miel arrive. La solitude. C'est pas ça. Habite mon cœur. C'est maintenant. Le miel noir ne chante plus à la fenêtre. De notre chambre, tout est devenu monotone. On me regarde dans les rues, jamais, je n'ai autant souffert. Jamais, je n'ai entendu souffert. Non, jamais. Bravo. Il a interprété la chanson. Bravo, monsieur.
grand moment. Mm-hmm. Il a un grand conseil, ne chatte pas ça pour les soignants, surtout. Ouais. Ah, exactement. Je te signale, Roger, que c'est lui qui était monté sur le podium avec nous pour chanter en Guyane. Tu te rappelles? Et il a guéri beaucoup de cancers avec ce morceau-là. Ah, mais pas ça, mais il connaît de chansons en pâté. En tout cas, merci beaucoup. Et par contre, oui, il n'a pas. Oui, il ne l'a pas. Emmanuel, donc, oui. Le mois de mai, oui. Je serai parmi vous. Eh bien, tu viens nous voir sur le plateau? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok, mais bon courage. Et puis, attends, fais attention à toi. Hein. Et puis, l'Oba et la Guinée-Guyane, là. Ah, mais oui, 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 tout à fait. Tout okay. À fait. Ok, en tout cas, merci pour le meilleur, le noir, qui ne chante plus. C'est la chanson préférée de Michel Timon quand Roger chante ça. Je sens que tu es touché quand... Oui. Des frissons partout. Oui. Oui. Ok, merci beaucoup la Guyane. Allez, on fait un petit tour. On va dans ton pays. C'est bon? Mian, mian. Mais moi, pas pour t'élever, m'enseigner, même m'en parler. Thank you.
Alors, d'après ce qui se dit sur Facebook, c'est chaque moun en moun. Hein. Apparemment, les gens poussent chaises, tables, toute bagaille, et c'est compas. Chaque moun ni en moun. Très bien. Alors, Odile, tu vas nous interpréter une petite douceur juste avant la pub. Boléo, slow, c'est ton choix. Ah, tu chantes ni Boléo. Oui, tu chantes ça. Tu veux la maison sur le pont? D'accord, faisons ça. Et Grégory, juste après cette chanson, donc on va faire la pause pub que Michel va lancer. José Boudin, au fait, il y a longtemps que tu ne parles pas de José Boudin, Michel. Non, mais prends déjà ton micro. L'autre temps qu'ils se mettent d'accord. C'est un boulot, Joël, ouais. La maison sur le pont. Ah. Ok, d'accord. C'est parti? Ok. Alors, c'est une chanson qu'elle n'a jamais interprétée. Roger lui a imposé de chanter voilà, ça. Voilà, on m'a imposé. Donc, elle essaie de nous faire plaisir, pitié. Mais bon, soyez indulgents. Hein. Si, vous si le ton n'est pas bon, c'est d'ailleurs Roger vous babille. C'est lui qui... C'est bon? Oh, je vois, c'est bon, on lance? C'est bon? Ok. Allons voir pour oublier.
Port-au-Prince. Il pleut encore à Chamonix. On traverse à gué la Garonne. Le ciel est plein bleu à Paris. Mamie d'hiver est à l'envers. Le temps me tourne pas dehors. Le monde entier est en chemin. On jette au sud, on sur nord. Fais du feu dans la cheminée. Je reviens chez nous. A repris ses 20 berges malgré les lourdes giboulées. Si j'ai du frimas sur elles, c'est que je veille à ses côtés. Mamie, j'ai le cœur à l'envers. Le temps beaucoup, Madi. Merci Odile pour cette maison sur le pont. Tu vois, Sainte-Marie et tu es du Verpret du Robert. Alors, je suis du Robert. Ouais, il y a une animosité parce qu'il t'a fait chanter cette chanson pensant qu'on t'a pris. Et tu l'as jamais interprétée, tu l'as magnifiquement interprétée. Beaucoup ont reculé. Tu vois, il faut se méfier quand même. Des fois, on te dit chante ça, ça tira. Ça tira. Ça ne mérite pas d'être répondu. Michel, à toi pour la pub, s'il te plaît. Eh bien voilà, regardez-moi bien, là, dans le blanc des yeux. Rapproche bien ton micro. Hein? Vous êtes là, regardez Zouk TV. Mais dites-vous bien que
dans la grande tradition culinaire et gastronomique des Antilles, le boudin créole, l'authentique, le vrai, le boudin du soleil, rouge, blanc, boudin de lambi, boudin en crevette, c'est José Boudin. Un téléphone, le 06-96-45-58-51. José Boudin, un nom, un boudin. Il faut lancer la pub là. Tu as besoin d'un logement pour ces vacances en location saisonnière ? Zouk TV Voyage a la solution pour toi. Du studio pour deux personnes, au F3 ou F4 climatisé avec la Wi-Fi, à 10 minutes du centre-ville dans un immeuble neuf et agréable. Appelle maintenant Zouk TV Voyage au 05 96 71 27 27. Mail contact at zouktvvoyage.com. Zouk TV Voyage, bon bagaille. Vous l'aviez déjà enterré ? Désolé, le People Yol est de retour. Pour oublier le Covid-19, pour vous consoler de l'annulation du Tour 2020, pour mieux préparer le Tour 2021, nous vous proposons une sélection de photos choc et inédites du dernier Tour des Yol. En bonus, des photos très hautes de la Mercury Beach et de la Baca Festival. Pour retrouver le goût et les images de la vie d'avant, le People Yol est de nouveau dans tous les kiosques de Martinique, Guadeloupe et Guyane. Menuiserie Batterie, située à Petite Lézarde au Gros Monde, est une entreprise de fabrication et vente d'escaliers droits 1K, 2K, 3K, tournants et hélicoïdaux. Réalisation de vos portes, fenêtres, salle à manger, cuisine, balcon, table, mezzanine, lit à colonne, choix essence de bois, travaux sur mesure et soignés, délai rapide et tenu. Une salle d'exposition ouverte du lundi au samedi de 8h à 18h. Téléphone 05 96 67 67 59. 06 96 37 02 01. Visitez son site sur www.menuiserie-batterie.com. Menuiserie Batterie, garantie décennale pour toutes ses menuiseries. Voici Bellevue Connect, le YouTube live des formations post-bac du lycée de Bellevue. Samedi 23 janvier 2021, sur notre chaîne YouTube Lycée de Bellevue TICE et notre page Facebook. Viens découvrir notre DTS IMRT, nos BTS ABM, Bio AC, NDRC et Tourisme, nos prépas économiques, littéraires et scientifiques. Pose tes questions en direct dans le chat. Alors rendez-vous samedi 23 janvier 2021 à 9h pour notre live sur Lycée de Bellevue TICE et notre page Facebook pour Bellevue Connect. Accordez-nous votre attention quelques instants. Vous voulez enfin connaître la vérité sur les 7 années de fuite de René Beauregard, deux fois condamné à mort en Martinique ? Vous voulez savoir qui a coupé la tête de milliers de colons guadeloupéens ? Vous avez déjà entendu parler des esclaves jetés vivants à la mer ? Avez-vous déjà entendu parler des Japonais à Santo Domingo ? Et de la mafia américaine qui voulait renverser Fidel Castro à Cuba ? Et de la tentative d'assassinat du président américain par des indépendantistes de Porto Rico ? Les réponses sont dans le nouveau numéro du magazine Historial, le journal qui raconte l'histoire de la Caraïbe. Historial, en vente dans tous les kiosques de Martinique, Guadeloupe et Guyane. Le GM Harmonier et la bande Amano vous invitent à vivre une expérience inoubliable sur le Costa Fascinosa pour la première fois aux Antilles. Yeah. Pour son 40e anniversaire, le GM Harmonier vous convie à cet événement. Avec Florence Renard. Jean-Louis Morville. Patrick Adel Amélie. Maud Mas. Joël Zabulon. Emmanuel Granier. Ainsi que la bande Amano au grand complet. Du 15 décembre 2021 au départ de la Martinique et du 16 décembre 2021 au départ de la Guadeloupe. Une croisière mémorable avec ces deux groupes mythiques. Une semaine formidable avec des concerts, des invités surprises, des conférences, des ponches en musique et des soirées discothèques avec les meilleurs DJ. Jusqu'à la fin du mois de septembre, profitez des tarifs premier servi. Possibilité de payer en 10 fois.
Achetez exclusivement vos carnets de voyage à Zouk TV Voyage, 191 Route des Religieuses à Fort-de-France. Téléphone 05 96 71 27 27. Mail contact@zouktvvoyage.com. Le JM Harmonie et la bande à Mano, que du bonheur. Que du bonheur. Que du bonheur. Tu as besoin d'un logement pour ces vacances en location saisonnière ? Zouk TV Voyage a la solution pour toi. Du studio pour deux personnes, au F3 ou F4 climatisé avec la Wi-Fi, à 10 minutes du centre-ville dans un immeuble neuf et agréable. Appelle maintenant Zouk TV Voyage au 05 96 71 27 27. Mail contact@zouktvvoyage.com. Zouk TV Voyage, bon bagaille. Voilà, les mauvais élèves qui arrivent en courant, hein, alors qu'on leur dit depuis un moment pour leur dire, on reprend, c'est terminé la pub. Allez, on repart en musique et on va... Histoire, en fait. Tu veux bien, ça va ou bien l'instrument est peut-être froid? Non, ça va? Ok. Alors, Franciane qui nous dit, bonsoir, je suis de la Guadeloupe, j'aimerais écouter un morceau de Joujacques, de votre choix. Superbe après-midi, mon samedi après-midi, mais très sacré, Mano. Merci pour tous ces moments. Tous les samedis, je vous aime. Bibi de Sainte-Rose. Alors, Joujacques, quelle chanson de Joujacques? Bon, on va voir ça alors, au moment des boléos. Non, non, c'est histoire qu'on fait maintenant. C'est parti? C'est bon pour toi, Joël? Grégory, c'est bon pour toi? Ah, d'accord. Quel ton? Le ton, c'est écrit. Histoire? Histoire, non, j'ai pas ça sur mes feuilles.
satisfaction.
Mano, je voulais dire deux mots sur ce style de compas-là. Parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore, enfin qu'on ne fait plus souvent. C'est un truc qui date des années 68. Après le compas conventionnel, où les solos étaient joués à l'accordéon, on a introduit l'orgue électronique en Haïti dans les orchestres. Par exemple, le noir, avec la sirène. Les Lounois et surtout les ambassadeurs d'Haïti. Oui. Qui étaient un orchestre où l'orgue jouait un rôle prépondérant. Donc ce sont des éléments qui ont joué un rôle dans la mutation même du compas. Parce que le compas des Lounois, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé après. Tu as eu la vague des guitares, la vague des saxophones avec Tilouba, etc. Et puis avant, il y avait cette vague-là, la vague de l'orgue. La vague des guitares, c'était par exemple Martino. Non, Robert, même pas. Ah non, mais attends. Oui, Robert Martino avec le père Martino, les difficiles, les gypsies, etc. Les Lounois, les Lounois. Et avant, tu avais un guitariste qui s'appelait Michel Desgouettes. Aussi, attention. Oui. C'est venu avant, Robert. Hein. Ouais, avec lui ici, d'ailleurs. Ouais. Donc, c'est pour te montrer que le compas a muté. Et ce qu'on entend maintenant, ça n'a rien à voir avec ce son. Et aujourd'hui, c'est Gouya, c'est ça? Ah oui. Là, Gouya, c'est Plishing. Il y a une dame qui le rythme, me dit que ce genre de musique, c'est Plishing. Ah oui. La structure même, après Joël, qui est musicien, va te dire, la structure musicale même des compas, c'est dépouillée complètement maintenant. Hein, là, maintenant. Tu vois, ça, il n'y a pas de partie. Tu vois, Joël, demande est-ce que c'est du compas toujours? Non, mais c'est une musique qui a évolué quand même, hein, énormément. Ouais. Tout à fait. Ben, ça va, les jeunes, là, vous avez compris là, ce qui se passe avec le compas. Ouais. Mais je crois que c'est l'heure que Joël nous chante quelque chose, justement. Parce que. Il en meurt d'envie. Non, mais Joël, du JM Harmony. Les gens me demandent pourquoi tu ne chantes pas du JM Harmony. Ah, ben, écoute. Ah bon, là, modèle-là, hein, tu vois ça tout de suite. J'adore lire sur ses lèvres. Bien. Ou pas attendre d'après. Bon, ben, c'est parti pour commencer. Oh, tu as le choix, hein, tu as Zir, tu as Bessézir, tu as Solange, tu as... Something
Alors, vous avez envie de savoir s'il a lu sur les lèvres de monde, je ne sais pas, mais il a su chanter dans la chanson, apparemment. Bon, en tout cas, les cacahuètes gênent. Hein. Juste avant, ce n'était pas malin. Qui t'a fait ça? Franchement, hein. Enfin. Il y a des gens là-bas qui m'ont offert des cacahuètes. Voilà. Voilà. Juste avant. Il ne faut pas lui offrir des cacahuètes parce qu'il doit chanter, parce que ça agit sur ça. Oui, non, mais c'est pour tout le monde, hein. C'est pas moi seulement. Hein. C'est... Oui, oui, mais à 4 fois qu'on a donné des cacahuètes, hein. On ne nous a pas proposé. Donc, ça te concerne, toi. Bon, il a découvert ça. Il a Bollywood, s'il te plaît, Joël. Bollywood, il a découvert ça? Il a découvert. Non, je le soupçonne de ne pas pouvoir dire non à certaines personnes. C'est simplement ça. C'est encore la Guyane, c'est bizarre. Hein. C'est... Encore? C'est pas possible, ça. Il y a une histoire avec... La Guyane, oui. Je sens que ces jours, il faudra que le groupe aille là-bas te rencontrer. Joël sera là-bas et puis la bonne amane ira après. Voilà, l'autre tranquille. Bon, c'est parti, s'il te plaît. On lance Boléo. Quelle tonalité? Do. Et je vais voir si le chanteur va réagir. Mon pacabane, non, mon sou. Vas-y. Musique. Ouais. Là, par contre, la sono réagit. Hein. Voilà, c'est parti. J'aime assez d'âmes que j'aime pour voir passer de beaux matins ce vieux foulard autour des reins. J'aime à croire que c'est ma main. Oh, mais le talent qui le retient. Mais vous riez d'âmes que j'aime. Je veux des fesses et perles au cou. Vous dira-t-on que d'un bijou de son balcon un grand voyou avec sa peine est tombé fou. Quel espoir effacerai-je d'âme que j'aime sur vos parfums ce sacrilège. De vous savoir toujours en bas, belle et sereine, mais au bras d'un autre que moi. J'aime assez d'âme que j'aime vous voir passer de beaux matins ce vieux foulard autour des reins. J'aime à croire que c'est ma main. Comme une graine qui le retient. Effacerai-je d'âme que j'aime sur vos parfums ce sacrilège. De vous savoir toujours en bas, belle et sereine, mais au bras d'un autre que moi. J'aime assez d'âme que j'aime vous voir passer de beaux matins ce vieux foulard autour des reins. J'aime à croire que c'est ma main. Oh, mais le terrain qui le retient. Merci.
Merci Michel, tu fais pleurer des gens là. Il y a une dame qui fait bon. Muriel qui nous dit Bobo Léo, il me rappelle des souvenirs où j'ai des larmes. Mon père décédé aimait beaucoup cette chanson. Il la chantait quand il me faisait la cuisine. Et puis ta façon d'interpréter, j'ai remarqué qu'Odile a été touchée aussi. Hein. Les gestes. Tu aimes le morceau? Voilà, elle a des étoiles dans les yeux quand tu chantes, Michel. C'est important. Très touché. Comprenez Allez. Mon émotion. Ah, ça me fait quelque chose. Impossible de retenir le nom, mais c'est musique, c'est une belle famille. Tu veux m'aider, Maud? Ça s'appelle musique. Ensemble. On est parti du côté du pays de Chelbert. Ensemble. Allez, c'est une chanson que je dédicace à Philippe. Je sais que tu aimes beaucoup cette chanson. En parlant de ça, c'est vrai qu'on est comme on est revenu cette semaine. La semaine dernière, Maud. Oui. Enfin bon. J'ai même pas envie de parler de ça, mais on a tellement insisté sur que le fait que Raoul et toi vous soyez absents ensemble. Même Joël, hein, même Joël. On m'a dit ça, on m'a dit que c'est surtout pas toi qui as dit ce genre de choses. Parce que moi, je savais non. que c'était pas toi, Manu. Quand même. Même Joël, qui d'habitude ne parle pas de ces choses-là. C'est ça, mais bon, je regardais l'émission samedi dernier. Tout ce que je peux dire. J'ai regardé l'émission, Manu. Merci. Bon, allez, musicien, ça, c'est le famille. Allez, c'est pour toi, Philippe. Allez tout le monde.
Monsieur Grégory. Oh là, yeah. À tout TV. Monsieur Joël. Dis-moi côté où y est. À tout TV. On va gagner l'argent. Oh là là. On va gagner dollars. Oh là là. On va gagner tout. Oh là là. On va nous danser. Oh là là. Je la fin de l'émission, Chen, ben, il faut que tu fasses ses papoudates. Si tu veux raccourcir aussi. Si oui, c'est possible, ben, faisons ça.
Tu voulais pas? Oui, ah, bien sûr. Mais je te demandais. Ah bon? Bien. Je ne me suis pas rappelé. Mais ça, alors, je pensais que ça venait de moi. Mais bon. Vous avez changé de tenue spécialement pour ça. Vous avez par hasard. Oui, oui, oui. Et puis, mettez chaîne là. On l'ébaye là pour vous voir, monsieur. Allez. C'est bon pour toi? C'est bon, Joël? Téléphone, non? Non, oui. Oui, bon, ben allons-y. Zouk TV, bonsoir. Allô? Mano? Oui? Je vous appelle, c'est pour vous remercier. Mais pourquoi, Christiane? Oh, c'est mon Dieu, droit au cœur. Ça a été gentil, gentil, gentil. Ah ben... J'aime pas demander, mais moi, dédicacer toute séquence là pour moi-même personnel. Et tu as aimé? Oui, j'ai aimé, mais qu'est-ce que vous dites? Quand vous donnez quelque chose, j'aime toujours. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'aime toujours, moi. Merci. Et mon, oui. Les deux boucles d'oreilles. Pense à moi. Oh, tu es super. Merci beaucoup. Et puis, Diane, je ne te dis pas plus force que ce que tu l'as déjà, et tu as une équipe qui te donne de la force. Merci, oui. Mon Dieu, continue avec l'équipe. Oui, toujours. Roger, je dis un joyeux anniversaire à ta mère. Merci, je ne la merci. Connais pas, mais de ta part, je sais qu'elle tient le coup. En verso, merci, tout vous affaires. Merci. Il n'y a pas besoin de personne pour aider. Yo. Exactement. Ah, il y a sa fait. Bon, alors je vous embrasse tous, et puis à la prochaine. Nous merci, aussi. Merci beaucoup. Gros bisous aussi à toi. Joyeux anniversaire encore à toi. On n'a pas le temps de monter prendre le champagne, mais ça n'a pas pédi. À bientôt, Christiane. Un autre appel, Zouk TV, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bon, bonsoir à tous sur le plateau. Vous venez de vous éveiller. Bonsoir. Non, j'étais couché, allongé sur mon lit à regarder Zouk TV. Vous avez une voix grave, comme si vous venez de vous lever. Non. Bon, ben, on vous écoute. Alors, je voudrais féliciter d'abord Diane. Merci Diane. Beaucoup. Oui, je suis... Diane, bravo, chapeau bas Diane pour le travail que tu fournis. Merci beaucoup. Tu es un jeune, avec la tête sur les épaules, tu nous donnes des frissons comme toujours. Donc, c'est toi que ça te vaut ta place au rang des grands. Voilà. Oui, merci beaucoup. Donc voilà, il n'y a pas photo. Continue dans la bonne voie. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Et puis, je voudrais m'adresser à Odile, juste lui poser une question. Bonsoir Odile. Bonsoir Christiane, c'est ça? Non, c'est quelqu'un d'autre. Ah d'accord, d'autre. Bonsoir. Je voulais savoir, Odile, est-ce bien toi qui fait des chœurs dans Cantique des Mormes? Exact, c'est moi. D'accord, ben, je suis fan de vous. Merci. Soso qui est merci. À côté, sans oublier Soso, hein, l'une ne va pas sans l'autre. Merci. Bravo à vous. Et merci. Maud, bonsoir Maud. Bonsoir. Eh bien, je rejoins Christiane. Franchement, tu portes bien tes boucles. Merci. Tu as une tête à boucle, tu as un visage à boucle. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Eh bien, les hommes, ne soyez pas jaloux. Pas de compliments pour vous, à moi d'ailleurs. Non, nous ne sommes pas du tout jaloux. Nous ne sommes pas jaloux. D'accord. Sauf à Joël. Joël, bonsoir. Mettez Joël à l'antenne, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir Joël. Bonsoir. Eh ben, félicitations pour ton chant de tout à l'heure. Merci beaucoup. Tu es indulgente, ça fait plaisir. Ouais. Voilà. Allez, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'avais pas fait attention aux boucles d'oreilles de mode. C'est magnifique, c'est vrai. Mais ça me rappelle quand même les paniers qu'on allait au Gourmand. Non, mais... Moi, ça voudrait qu'il y ait un souci, on m'a gagné. C'est quoi que tu allais dire, les deux souffrés. Ouais, les malpalants. Vous savez même pas ce que je veux dire. Oui, les lorsqu'on paniers. Était les paniers plus en osier, oui. Lorsqu'on oui. était plus jeune, on allait pour... C'est à Pâques, je crois, le vendredi saint. On ne doit pas manger de viande normalement. Donc, nous allions pêcher des écrevisses et on mettait des paniers au fond. On connaît ça au... Des paniers pour tenir, pour prendre les écrevisses. Et les poules bois. Ouais, on ne va pas aller par l'utile. Mais, ça m'a rappelé ça, mais ça ne veut pas dire que c'est ça. C'est magnifique. Je voulais te le dire, je ne pensais pas le dire à l'antenne, mais bon, comme les dames t'ont félicité, c'est vrai. Merci. Et puis arrête ta jalousie, toi. Panier bassin. On ne va pas connaître, mais nous te ramettons en gloire. C'est quoi que c'est ça? Panier bassin. Panier bassin. Hein, c'est pas comme ça? Panier bassin, oui. Non, même là, monsieur. Panier Garibla, c'est pas. Mais parlez dans vos micros parce qu'on ne parle pas de la même chose, Michel. Ah,
Il te parle du panier. Le panier, quoi, une poisson à dingue. Non, c'est pas ça. Le panier dans lequel on va pêcher. Nous, on va mettre. Mais c'est beaucoup Saint-Pierre. Mais c'est pas une arrivée à Saint-Pierre. Par où on est ça. Bon, allez, c'est parti. C'est pas pour date. Les rivières de Saint-Pierre, d'après ce que Raoul m'avait dit. C'est la rivière la plus. Non, mais d'après ce que Raoul m'a dit, les gens jetaient leurs tinettes dans les rivières. Donc, c'est pas là pour aller pêcher les cribiches. Hein. C'est ça, on dit, moi. Pas cribiches, c'est les habitants. Salutations à Ricardo, président Compa, Radio Sud-Est, sans oublier sa femme. Sentim nan paradis. Tant pis. Prête moi nan Freddy. Tant pis. Fais cadeau, ti sourire. C'est pas pour ça. Ma pêche chante pour vous. C'est pas pour ça. Ma pêche rêve de vous. C'est pas pour ça. Ma pêche chante pour vous. Tant qu'on y a Saint-Esprit, en bas ils en draillent moins chéri. Tant pis, oui. Prêtez moi dans la rue. Tant pis, vine pas moi la vie. C'est pas pour ça. Ma paix chante pour vous. C'est pas pour ça. Ma paix rêve de vous. Lulu, c'est pas pour ça. Ma paix chante pour vous. Oh, oh. Modulation. Je dis à moi, pile grand. Autant d'amour, même genre. Pas besoin de l'argent. Même bon bel sentiment. Qui clairait coup de diamant. Mais pas quitter nous forcément. Ou mettre quoi même sincèrement. L'amour, ça l'a longtemps. Chaque jour, c'est pas pour la chérie, ma périte nous tous les jours. C'est pas pour la chérie, ma périte nous chaque jour. C'est pas pour la chérie, tenez ça. Ma périte en journée, oh, journée ou à pépiné, oh, pour moi mené ou aller, oh, y'a un petit côté bien. Modulation. Mais pas qu'une personne qui fait qu'un bad fort, pas qu'une personne qui fait qu'un fait l'amour. Chérie, moi, mais je suis d'amour.
5 jours de l'année. Bravo Gilbert. Merci voilà, Raoul. Il y a des gens qui disent c'est déjà fini, mais oui, c'est déjà fini. Ça fait 3 heures. C'est déjà fini. Alors, nous avons aussi l'habitude de demander à l'invité fil rouge de terminer. Donc, même à Capella, tu vas nous faire quelque chose. Même piano-voix. Tu demandes à Joël, Wouro, Joël, ils suivent, il n'y a pas de souci. Shelbert aussi. Hein. Qu'est-ce que tu veux chanter? Est-ce que vous connaissez Célestin Wadjab Dewo? Célestin Wadjab. C'est une begin? C'est quoi? Oui, begin. Une begin. Célestin, c'est dans le film. Mais oui, le film Begin, Micheline Chandesa. Ouais. Oui. Tu connais ça, Diane, non? J'ai pas la partition. Ah, c'est vrai que. Oui. Non, non, mais ils vont t'accompagner. Non, non, c'est pas grave. Il n'y a pas la partition. Mais ils... Begin, tu as aimé la Begin? Oui. Quelle tonalité? Vas-y, on y va. C'est la coutume. L'invité termine. Et puis ici, on est en live aussi. Hein. Mais si, nous, on est en live aussi. C'est live, c'est live. Tu peux. Merci. C'est parti? Cette chanson en entier, c'est pas possible, c'est juste la moitié, c'est même pas. Ça n'est bien sorti là, ah ouais, c'est impeccable. Hein. Et tu as vu comment les musiciens ont suivi? Oui, tout à fait. Merci à vous. J'ai senti que tu étais un peu stressé. Tu te dis, est-ce que c'est Bougla qui a accompagné ça? Oui. Enfin. Non, c'est bon. Même, merci. C'est normal, c'est beaucoup moins. Ouais, pour une fois, c'est pas moi qui ai dit ça. Yo, pas épais, c'est moi. Répète ça, il y a un animateur Guadeloupe qui a dit « Redis ça encore !» C'est tout à fait normal, c'est beaucoup au monde qui l'a. Hein, c'est ça, c'est normal. Très bien. Moi, je capone, mais c'est là beaucoup au monde fini de jouer, je capone. Redis ça. Shelbert, merci beaucoup. Mais il n'y a pas de problème, Mano. On a passé un agréable moment, comme d'habitude. Bonne soirée. Merci beaucoup, Shelbert. Le sage du Gaumont, merci beaucoup. Bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tout le monde sur le plateau, et puis à bientôt. Merci bien. Tigla, merci. Mais voilà, on a passé un bon moment, et puis j'ai une pensée pour une petite dame dont c'était l'anniversaire hier, mais... Mais dis-lui, c'est peut-être ce soir qu'elle va fêter ça. Mais non,
Ah bon, d'accord, ok. J'ai compris. Alors, mais, voilà, mais j'ai compris. Une pensée pour elle, même si oui. C'était hier. Mais voilà. Merci. Ok, Michel. Force. D'où le gilet. Joël, merci beaucoup. Bonsoir. C'est tout? Ça a fini? D'accord. Là, tu veux d'autres pistaches? Oui. D'accord. Diane, merci beaucoup. Eh bien, c'est avec plaisir. On a passé une bonne émission. Encore une fois, merci, Chelbert. À n'importe quel jour, on remet ça. Et voilà. Et bon, on a passé une très bonne émission et à la semaine prochaine, comme d'habitude. Merci bien. Roger, merci bien. C'est moi, j'ai pris du plaisir, voilà. Bon week-end à tous et à bientôt. Tiens, merci Roger. Tu as oublié de José Boudin en plus, là. Ah non, mais si on peut faire un dernier. Non, mais je continue d'abord, tu vas finir. Merci beaucoup Odile. Alors oui, merci à ma famille, merci à vous déjà de m'avoir reçu. Un coucou à ma famille, puis je voudrais dire un petit coucou à ma tati Marie-Eugène. Elle est alitée, donc je sais qu'elle est connectée. Bisous. Merci beaucoup. Merci bien. Et puis aussi à Madame Promitor Sidonie. C'est une fan, donc je lui fais un coucou. Merci. Merci bien. Soso, merci beaucoup. Merci à toi, Mano, à tout le monde sur le plateau, aux téléspectateurs de Zouk TV. Mon papounet, je ne sais pas si je t'ai salué. Avant l'émission, oui. Chine, merci beaucoup pour les NEM. Et puis, à très bientôt. Mandy, merci beaucoup. C'est moi, Manu. On a passé un excellent moment. Donc, gros bisous tout le monde. Une pensée particulière pour Jean-Philippe Martelly. Je sais que tu nous regardes tous les samedis. Donc, je t'embrasse très, très fort. Je sais que le mieux continue. Et puis, vous, à très, très bientôt. Bisous. Monsieur le maire, merci bien. Mais c'est moi. Et puis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oui. Tout près de chez moi, à 100 mètres, oui, habite un gros mornet. C'est pas une bonne nouvelle pour toi? C'est une oui, bonne je lui envoie un gros bonjour. Non, oui, mais c'est une bonne nouvelle. C'est Monsieur Pivetal. Non, mais c'est une bonne nouvelle surtout pour toi. Non, mais je me dis que si Gourmand donne un bon bail, il va dégommonter là. Et voilà. Allez, merci beaucoup à tous. Merci, merci à Grégory, merci à Hervé. Mais la pub, on finit avec José Boudin et on lance la pub. On termine avec José Boudin. Alors le boudin créole, l'authentique, le vrai, le boudin du soleil, rouge, blanc, au lambillot, crevette, c'est José Boudin. Téléphone 0696 45 58 51. José Boudin, un nom, un boudin. C'est la meilleure des télés. La parole vous est donnée.